C'est tout, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du championnat 2006 de Formule 1 sur le Grand Prix de San Marin, enfin d'Imola à San Marin. Donc un circuit un peu plus à l'ancienne, on va dire. On va donc démarrer la séance de qualification. Alors ouais, j'ai fait une 21-422 en meilleur tour, ce qui est plutôt pas mal. Je pensais vraiment être dans des tours corrects et bah, je suis quasiment au niveau de la BMW, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais on va voir si en qualification on arrive à faire pareil. À mon avis ça va être compliqué, mais on va quand même tenter comme d'habitude. Allez, quittez le garage, c'est parti, pas de temps à perdre, pour le temps niaisé là, et on y va. On va directement enchaîner, voilà. Donc un circuit bah, que j'aime beaucoup, vous le savez déjà. C'est un circuit qui va être très compliqué parce qu'on a tendance à devoir aller sur les vibreurs pour vraiment gagner le plus de temps possible. Mais en allant trop sur les vibreurs justement, ben c'est là où on fait des erreurs. Typiquement là, voilà. Bon là, ça va, c'est le tour de chauffe. Et comme d'habitude, on va tenter de se qualifier pour la Q2. La dernière fois j'ai même pas pu faire un temps, alors je sais pas comment on pourra faire mieux cette fois-ci. Alors le jeu est permissif mais pas trop non plus, on peut aller sur les vibreurs, on peut pas non plus aller super loin des fois. J'essaie de me concentrer, hein, donc j'ai pas forcément parlé beaucoup. Faut vraiment faire un bon temps là. Et c'est parti. Oh non. Ouf. J'ai eu du bol, j'ai cru que j'allais me faire couper en deux par là. Bon allez, les passer vite, vite passer, c'est le moment. Hop, on reprend. Scott Speed réalise un nouveau temps au tour. Christian Albers réalise un nouveau temps. Cela m'étonnerait qu'il se vante de ce temps. Il va plutôt chercher à l'oublier. Alors, on va essayer de faire mieux. Yuji Hide boucle son tour. Il a fait ce qu'il fallait ici. Ah, j'ai moins bien réussi avec tout à l'heure. Ah, Villeneuve est en une 21-400. C'est pour ça que je vais chercher Villeneuve, enfin la Sauber, BMW. Ou BMW Sauber, hein, comme vous voulez. Je suis en retard par rapport à moi-même, je crois. Enfin, faut vraiment pas que je loupe le dernier. Dernier enchaînement. Christian
Une 21-5, c'est pas trop mal. Je suis dans les temps très proches de mon meilleur chrono, donc ça c'est bien. On va voir si on peut faire un peu mieux. Les pilotes bouclant actuellement un tour complet sont Ralf Schumacher, Jarno Trulli, Felipe Massa, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen. Non, par quel miracle je peux partir à la faute. Giancarlo Fisichella. Et la tâche d'huile, attention. Boucle un tour complet. Il sera furieux de ce chrono. Sa voiture je vais être en retard. On va 2 dixièmes. On va quand même essayer de finir le tour. Parce que là, je m'étais totalement loupé sur la chicane tout à l'heure. Nico Rosberg réalise un nouveau chrono. Cela m'étonnerait qu'il se vante de ce temps. Il va plutôt chercher à l'oublier. À mon avis, mon chrono est mauvais. J'ai vraiment pas fait un tour exceptionnel. Ok, on va revenir au garage. Il reste 7 minutes et je suis 14ème. C'est plutôt pas mal. Allez, on va quitter le garage, on va essayer de faire une dernière salve. On va tout donner. Hein. C'est vraiment, vraiment une histoire d'enchaîner les bonnes trajectoires, mais c'est vraiment difficile. Ouf. Voilà typiquement ce qu'il faut, ce que je voudrais éviter. Ils sont en ligne 18-600 à Massa, oh mon dieu. Voilà, c'est vraiment la bonne trajectoire que je devrais avoir tout le temps. Je peux étirer un peu, ça me permet de voilà, d'élargir à la fin. Bon, j'espère que devant ils vont pas me gêner. J'ai pris un peu mon temps pour pouvoir garder un certain gap. Complètement raté. Et c'est un tour à faire. 3 secondes 2 de retard. On va voir si on peut faire mieux dans le deuxième secteur ou le troisième secteur pour voir si je peux gagner un peu de temps à la régulière. Les pilotes bouclant actuellement un tour complet sont Jarno Trulli, Jacques Villeneuve, Thiago Monteiro, Scott Speed. Mais je peux aller large ici quand même. J'ai 0,31, what the. Bon, c'est bizarre. Voilà, bonne trajectoire. De quoi être satisfait, sans plus. Christian Albers se réalise un nouveau temps. Il doit être déçu. Ses réglages. La Weber une 21-9. Les premiers chicanes bien négociés. J'espère que demain ils vont pas devant ils vont pas nous gêner, hein, j'espère. Déjà ça commence mal, je me suis totalement gêné ici. Bon, la bonne accélération, ça va.
tour complet. Rubens Barrichello termine son tour complet. Je suis en retard, vraiment en retard. Ouais. Oh bah, ça m'a coupé la roue, quoi. Bon, bah, c'était pourtant très léger. Bah, c'est trop tard. C'est trop tard et on est 18ème. Oh non, on n'a même pas réussi. Pour 2 dixièmes. Je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Vraiment, je pense que j'aurais pu gagner 2-3 dixièmes. Bon, on est pas mal niveau temps quand même, hein. C'est correct. On est autant de notre coéquipier qui a 2 dixièmes d'avance sur nous. Mais pour le coup, je suis assez déçu parce que je pense que c'était vraiment faisable d'aller chercher la 16ème place. Mais écoutez, tant pis. On va quitter la séance. Je vais voir le 16ème, combien il a tourné. Une 21-8, hein, oui. C'est vraiment dommage. C'était faisable. À la fin de cette deuxième séance, il ne reste que 10. Allez, on va passer à la dernière séance. Les jeux sont faits. Et c'est Alonso cette fois-ci. Oh, regardez, on a le même millième. Alonso est physique là au même millième près. En tête. Et du coup, la séance de qualification. Donc les deux Renault devant Massa, Button, Schumacher, Raikkonen, Trulli, Ralf Schumacher, Barrichello, Heidfeld. Ensuite derrière on aura Montoya, Weber, Rosberg, Coulthard, Villeneuve, Klein, Montero, Elbert, Suzy, Speed, Ide et Sato. On est voilà, on partira donc 18ème. Je pense que ça va être très compliqué à faire une course entière sans problème, mais bon. C'est pas grave. C'est parti pour le départ. En direct de l'autodromo Enzo et Dino Ferrari dans la petite ville d'Imola qui accueille le Grand Prix de San Marin. Imola est situé près de Bologne, au nord de l'Italie. Il comprend 4,9 km de pistes et 17 virages en tout. Ce circuit à l'atmosphère particulière porte le nom de Enzo et Dino Ferrari, dont le siège est situé tout près d'ici, à Maranello. Il a pas l'air de faire super beau, hein. En pole position, à côté de lui sur la première ligne. Oh, en plus il fait pas beau. Vous connaissez le truc, et on y va. En plus il fait pas beau. Bon bah écoutez, ça va être de la pluie cette fois-ci. Pas trop d'attaque tant que les pneus sont bleus. Attends qu'il soit vert pour avoir un mat de gris. Ok, je vois vraiment rien du tout devant moi. On a perdu 2 places. Ok, ça commence mal. Course sous la pluie, enfin en tout cas sur le mouillé. Je suis même pas préparé à ça. J'ai même j'ai même Sato là qui a plus vite que moi. Il va falloir éviter les vibreurs au maximum. Puis je dis ça pour prendre des vibreurs. Tellement plus vite que moi. Alors il y a peut-être une stratégie à faire, hein, parce que peut-être que ça va s'assécher au fil de la course, qui pleut pas en fait, hein, c'est juste les projections. Alors, je vais tirer tout droit. Voilà à quoi ressemble la course après le premier tour. Ah, je suis vraiment déçu là par contre, le coup de la pluie, c'est pas cool du tout. Est à la troisième place. Button est quatrième. Michael Schumacher est à la cinquième place. À la sixième place, Raikkonen. Je n'arrive même pas à faire chauffer mes gommes. Je suis à 39 degrés sur le pneu. C'est Ralf Schumacher. Le pneu gauche. Bien, c'est ton meilleur temps dans la première portion. Je pense que dès que ça va remonter en température, on pourra être un peu mieux. Allez, 49, 73.
Ok, d'accord, bon bah. L'une des Midland est entrée dans la glissière. C'est Christian Albers. Malheureusement, il n'a pas d'autre choix que d'abandonner. Bon bah les Grands Prix se suivent et se ressemblent, hein. Pff, encore un abandon. Bah j'ai vraiment pas de chance. Hein. Vraiment là, la pluie, je me suis pas préparé, il pleut pas dans les séances d'essai, il pleut que à la fin. C'est ainsi que s'achève la première course. Tant pis, bah écoutez, encore une course sans rien. Magnifique, pas classé. Oh le nombre d'abandons qu'il y a eu quand même. Il y a eu 3, 4, 5, 7, 8 abandons. Alors du coup, championnat, Massa toujours en tête devant Alonso, physique et Raikkonen qui prend une position, même deux peut-être, quatrième. Schumacher 5, Montoya 6. Ouais, et au championnat constructeur, Renault 59, Ferrari 47, McLaren 3ème 26, Toyota 4, Honda, Sauber, Williams n'a toujours pas marqué. Herbia Ferrari non plus, et nous on est on passe devant. Je pense que c'est merci, il faut dire merci à Montero, je pense qu'elle a dû battre les super aguris. Et on est dernier. Bon bah c'est super, encore un bon finish, hein. On n'a même pas tenu deux tours. Sous la pluie. Et ça sera du coup le Nürburgring pour la prochaine course. Je vous dis à la prochaine, bah écoutez, ciao tout le monde.